il faut que je m'arrête, j'ai une envie pressante. Oh, j'espère qu'on va pas me voir. Je vais me mettre ici, en buisson. Ah, ça fait du bien. Ah. Achoum! Ah, il fait froid. Ouais, quel temps de merde. En plus, il fait froid. Hein. J'ai cru quand j'allais faire pipi que j'allais congeler sur place. Tiens, un marchand de fruits. Des pommes. Bon. C'est beau cet endroit, j'avais jamais vu ici. Mais qu'est-ce qui y arrive à cette suffisante voiture là? Ah, mais qu'est-ce qu'elle a cette suffisante voiture là? Et je trouve pas la trappe pour ouvrir le capot. Ah! Mais c'est où? Ah, c'est peut-être intérieur. Et non, il n'y a pas de trappe. Et je trouve pas. Ah, c'est bon. Ouais. Pourtant, les bougies sont là, les câbles sont là. Ah, par contre, ça pue un peu cramé. Ah, si j'aurais pu avoir un extincteur. Bon, ben, je vais continuer. Je vais continuer en stop. Hein. S'il y a un beau étalon qui pourrait me prendre en stop. Elle était bonne, ma petite soirée d'hier soir. Qu'est-ce que j'en ai teasé? Des litres de vignasse. C'était trop fort. Bon, allez. Rentre à la maison. Et je vais aller me boire un petit coup de Père Benoît. Bon, allez. Continue. Ouais. D'ailleurs, il faudrait que je rachète du pinard. Hein? Une voiture ici avec le capot ouvert. Oh là là. Oh, une petite dame. Bon, bonjour mademoiselle. Où puis-je vous déposer? Bonjour monsieur. Je sais pas où aller. Je suis tombé en panne plus haut. Ah, c'est votre voiture, donc je viens de croiser. Oui, c'est ça. Allez, montez, ma petite dame, on va voir ce qu'elle a. Merci, vous êtes aimable. Y'a pas de quoi, ma petite dame. Je m'appelle Ferdicel. Enchanté, Ferdicel, moi c'est Lisa. Lisa? Elisa. Ah, Elisa. Ah, d'accord. Très joli prénom. Merci. Excuse-moi si je pue encore l'alcool. J'ai fait une soirée hier. Oui, ça sent un peu, oui. Bon, qu'est-ce que... Oh, eh, vous avez une sacrée voiture. Oui, c'était la voiture à mon grand-père. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Cette voiture a tourné sur la série Starsky et Hutch. Ah, connais pas. D'accord, alors, les câbles d'allumage. Oui. Oh, je crois qu'il faudra vous refaire le joint de culasse. Oui. Vous croyez que ça va me revenir pour cher? Oh, un joint de culasse enlevé, oui, très très cher. Mais ce que je peux vous proposer, c'est de venir chez moi et j'ai peut-être les outils qu'il faut. Et vous pourrez la réparer, vous croyez? Ben, si je trouve la panne,
Parce que c'est un sacré moteur que vous avez là. Oui, c'est un V12. Un V12. Oh là là. Oui. Gros engin. Comme dans mon pantalon. Allez, viens avec moi. Il est un peu bizarre, oui. Allez, on va aller chez moi et je vais peut-être avoir ce qu'il faut. Vous habitez loin? Non, j'allais justement chez moi, j'habite à côté. Vous sentez bon, c'est quoi votre parfum? C'est de la vanille. Ah, j'adore la vanille. Oh, j'aurais trop, j'ai à sentir votre parfum. J'ai envie de vous embrasser le cou. Non, parce que vous puez la vinasse, ça. Ah, mais oui, parce que là, je reviens de soirée, ma petite dame. Ah oui, ouais, ça se sent. Oh, excusez-moi, ma petite dame, je me suis trompé de route, c'était derrière. Mais vous Vous êtes inquiétez en état pas. de conduire, hein, parce que je vois, vous ne savez même plus la route pour aller chez vous. Oh, si, quoique ma petite dame, je sais où je vais, même Vous avez bu combien de défoncé. bouteilles? Oh, on ne compte plus, j'étais avec mon pote Marcel. Et je Ah compte oui. plus, oui. Bon, Faites attention, vas-y. monsieur, il y avait un stop, hein. Oui, mais il n'y avait pas de voiture. Oui. Bon. Oh, il y en a deux autres qui font du stop. Ouais, mais moi, j'ai déjà Vous quelqu'un. aurez pu les prendre. Est-ce Il y que avait vous êtes... suffisamment de place, hein. Oui, mais moi, je prends une personne à la fois. Où vous allez là? Bah, chez moi. Et vous habitez où? Vous verrez bien, j'ai une belle petite maison. Mais vous inquiétez pas, Vous habitez n'ayez pas ici? peur, hein? Vous habitez ici, là? Non, je cours un peu plus loin. Mais j'ai peut-être les outils qu'il faut. J'espère bien. Mais si vous préférez, j'ai un sacré outil entre mes jambes. Vous êtes pervers, messieurs. Vous êtes dégueulasse. Ah J'aurais bon? jamais dû monter avec vous. Oh, quand Moi, je connais à même! peine et vous me parlez comme ça. Vous avez pas honte? Mais je vous ai pas manqué de respect, j'ai juste dit que j'avais un gros engin. C'est celui qui dit qui en dit le plus qu'on en le moins, messieurs, vous savez. Bah moi j'en dis le plus, j'en ai le plus. Bon allez. Allez, suis-moi ma petite dame. Vous habitez dans ce taudis-là? Mais oui, vous inquiétez pas. Vous allez voir. C'est une ancienne station service. Oui. Comme ça on pourra faire le plein de votre bagnole après. Ça, c'est Bon. plutôt un bar, hein. Oui, mais j'habite là également. Regarde. Eh, je vous présente ma barmane, Suzette. Bonjour Suzette. Bonjour, comment allez-vous, mademoiselle? Bien et vous? Oh, très très bien. Il est gentil, Ferdicelle, hein? Un peu spécial sur les bords. Oui, mais il est très très gentil et très très câlin. Ah oui, je vois ça avec votre décolleté, oui. Bon, tu me suis au lieu de parler avec ma barmane? J'arrive. Donc, ici, c'est la salle de séminaire. Ouh, c'est que vous Non. en avez de l'argent, dis donc. Hein, pourquoi? Ah Avec oui. 4 ans, j'ai tout ça, hein. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Suzette, elle est là aussi, quand elle fait le ménage, elle range bien soin de... Prend soin, bien soin de... Regardez, j'ai un jeu de fléchettes ici.
Il est beau votre sapin par contre. Oui, j'ai de sacrées boules. Regardez, c'est ici que je dors. C'est vraiment un taudis. Eh oui, mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Les posters. Hein. Oh oui, j'adore les femmes. Oh, suivez-moi, on va aller à l'atelier. Donc, voici mon garage. Oh, bah regardez, j'ai quand même un garage. Ah, mais bon. Regardez, il y a un moteur ici. Oui, mais il n'ira pas sur le vôtre. C'est pas un V12. Bon, ah, dommage. Attends, je prends la perceuse, les tournevis, allez, ma boîte à outils. Vous croyez que vous avez besoin de perceuse? Oh oui. Oui, on sait jamais s'il y a un trou à percer. Donc là, il y a des pneus, hein, comme vous voyez, mais aucun pneu pour ta Mustang. C'est pas demandé pour les pneus, j'ai les pneus neufs. Oui. J'ai un problème de moteur. Donc, là, je prends l'extracteur car ça sentait le cramé tout à l'heure quand j'ai ouvert votre capot. Oui, c'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Bon, voilà, je prends ça. La tronçonneuse. Une tronçonneuse? Vous n'allez pas couper du bois, monsieur. Mais on sait jamais. Si le moteur n'arrive pas, faut que je tronçonne des côtés. Allez, Mia. J'ai bien votre sapin en tout cas. Oui. Qu'est-ce qui est beau ici? Tu veux voir mes boules? Non, sans façon. Bon, et Suzette, je m'en vais dépanner cette demoiselle. Ok. Au revoir Suzette. Au revoir, Elisa. Allez, suis-moi, on va aller réparer votre Mustang. Oh, bon Dieu, la nuit est tombée. Comment? Déjà, c'est même pas du Mustang. Oh, monte avec moi, ma très chère, on va jusqu'à ta voiture. C'est pas comme si j'avais pas le choix. Hein. On va aller réparer tout ça. Et si j'arrive à la réparer, qu'est-ce que j'y gagne? C'est vous qui est venu en mon aide. Hein. Bah oui. Est-ce qu'une petite turlute ferait l'affaire? Vous êtes vraiment un pervers. Mais j'adore ça. Les femmes, c'est ma cam. Vous en avez pas eu de femme? Si, j'en ai une. Mais voilà quoi, ça s'est mal passé. Elle est morte. Vous l'avez tuée? Oh, pas à ce point-là, pour qui prenez-vous? Non. J'ai l'impression que vous êtes un peu dérangé dans votre tête. Hein. Quel hasard! Il y a Jean-Pascal Lerie. Oh! Voilà. Ah! Il n'est pas là, Jean-Louis! C'est mon copain! Il habite là! C'est celui qui fait la brocante, Jean-Louis la brocante! Ah! Vous avez de l'humour, mademoiselle! Êtes-vous marié? Non. Ouhou! Ah bon? Là, vous voyez, j'allais voir de la famille. Ah, t'allais voir de la famille, hein, la famille. C'est rien de plus important, c'est la famille. C'est ça, et vous en avez de la famille? Oh oui. J'ai deux boules qui s'appellent Adam et Ève. Vous parlez que de sexe, vous êtes un peu pervers. Mais la vie n'est rien sans sexe, ma petite dame. Faut aller voir des prostituées. Il n'y en a pas dans mon secteur. Bah, elle est en centre-ville.
Mais pourquoi vous ferez pas l'affaire? Vous me plaisez, mademoiselle. C'est pas une cata. Non, j'ai pas dit que vous étiez une pute, mais j'ai dit que vous me plaisez. Donc, on va aller voir ça. Donc, voilà. D'accord. Hein? Attends, je vais dévisser ça. Vous êtes sûr que vous dévissez le bon truc? Oh oui, vous inquiétez pas. Ah, donc je vais prendre ça. Mais vous êtes malade, pourquoi vous prenez une tronçonneuse? Parce que j'ai dit que si le moteur ne venait pas, eh ben je coupais les extrémités. Mais là vous avez tout cassé de ma voiture. Mais vous inquiétez pas, je connais un pote qui a de très très bons moteurs. Oh là là, ouh, y a de beaux cylindres ici. Vous êtes sûr que vous avez pas fait ça pour me piquer mon moteur et m'en mettre un tout pourri? Non, oh mademoiselle, ayez confiance. C'est bien ça le problème. Bon. Voilà. Ok. C'est bon. Voilà. Bon. Donc, pour le moment, eh ben, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir dormir chez moi. Ben là, c'est sûr, on va plus démarrer. Hein. Mademoiselle, suivez-moi. On retourne chez moi. Je vous avertis, c'est juste pour une nuit. Demain matin, bah, je suis une parti, nuit, hein. C'est bientôt le matin. Vous allez juste vous reposer un petit peu et on verra ce qu'on fera tout à l'heure. C'est parti, ma petite dame. On va chez moi. Oui, mais dès que je me suis assez reposé, je pars. Hein. J'appellerai quelqu'un, hein. J'appellerai mon assurance pour qu'il m'envoie une dépanneuse. Hein. Mais vous inquiétez pas, ma petite dame, je vais m'occuper de vous jusqu'à la fin. Non, non, c'est bon, vous en avez assez. Oh, ma petite dame, tout ce que je demande, c'est une petite coucherie. C'est hors de question. Pourquoi, ma petite dame? C'est hors de question. Je vous plais pas. Oui, vous me plaisez pas. Oh, regardez, le soleil se lève. Le soleil vient de se lever. C'est le moment du petit ricoré. Et puis, on n'est pas de la même haute. Ah bon? Et pourquoi ça? Parce que moi j'ai mes parents qui sont très très riches. Ah bon? Ah, c'est intéressant tout ça. Parce que regarde, vous avez pas vu tout le pognon que j'avais dans la salle du séminaire? Oui, mais ça c'est de l'argent sale. Ah non! Je le gagne dans un sac poubelle. Je gagne ma vie honnêtement, mademoiselle. Mais c'est quoi votre métier? Ah, ben, je travaille à la ferme. Et j'ai du bétail que je revends tous les ans et ça me revient super cher. Donc, nous revoilà chez moi. Oui. Suzette, baisse un peu la musique. Elle a besoin de dormir, Elisa. Je peux m'installer où? Ouais, donc regardez, je vous montre vite fait un truc. Regardez les sacs poubelles, ça, tout ça, là, et même par terre, c'est de l'argent gagné honnêtement. Mais pourquoi vous les rangez pas dans le coffre-fort? Mais Suzette devait le faire, mais elle devait être occupée. Avec vous?
Oui. De quoi? Elle était occupée avec vous? J'ai pas entendu. J'ai dit elle était occupée avec vous? Ah, non, non, non. Non, non, non. Donc, je vais vous prêter mon lit et moi, je dors sur le canapé en face. D'accord. Allez, on fait dodo. Bonne nuit à vous. Oui, bonne nuit, mademoiselle. Bon. Ah, allez. Vous avez bien dormi, Elisa. Oui, je vous remercie. Oui. Ah, donc maintenant, on retourne à votre bagnole. Non, 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 Pourquoi? Non, 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 non. non. J'appelle un taxi, je rentre chez moi. Mais non, je peux vous aider jusqu'au bout. Non, non, j'emmènerai ma voiture chez un vrai garagiste. Tant que tu m'as pas fait une turlute, tu es à moi. Jamais de la vie. Vous avez plutôt cassé ma voiture que la réparer. Oh, mais j'allais vous appeler mon ami qui a un nouveau moteur. Non, non, j'irai chez un vrai mécano. Je peux me permettre de prendre votre téléphone pour appeler un taxi, s'il vous plaît? Ben vous me vexez! Ben allez-y, il est là-bas sur Merci. l'étagère. Oh! C'est quoi la rue d'ici, s'il vous plaît? La rue quoi? C'est quoi votre rue ici? La rue Chevronnée! Chevronnée? Oui! Bonjour, Chevronnée des madame. pins! Oui, bonjour, madame. J'aurais besoin d'un taxi, s'il vous plaît. La rue, c'est Chevronnée des Pins. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Au revoir. Vous me décevez, mademoiselle. Il y a un taxi à proximité qui vient me chercher. Ah, bah allez vous rendre votre taxi. Moi, je vais m'occuper du 4 Suzette. Au revoir, Suzette, je vous laisse. Oui, au revoir, Elisa. Et repassez nous voir quand vous voulez, Ça marche. hein. Au revoir, monsieur. Au revoir, ma petite Merci pour dame. votre aide. Et il n'y a pas de quoi. Au revoir. Bon, Suzette, je vais me couler une douille. Oh. Ouh là, elle est bonne cette douille. Oh. Bon. Ah, j'ai bien dormi. Et toi, Suzette, ça va? Oh oui, ça va bien. Oh, Oh, Suzette. y a quelqu'un? Oh, mais c'est qui? Qui est Serge, là? Qui est là? Serge. Oh, mon client préféré. J'arrive. Georges. J'arrive, t'inquiète pas, mon petit richou. Oui, me voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Oh, comment vas-tu, mon petit Richard? Ça pourra aller mieux. Ah, content pour toi. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? La dernière fois, je t'ai posé ma bécane pour une Oui, révision. oui. Et alors ça? Et le carburant, j'ai perdu le carbu. Ah, tu l'as perdu où, mon petit? J'en sais rien. Bah, comment t'as fait pour venir? Je suis devenu par la côte là. Hein? Mais pourquoi ta bécane est ici? Je suis monté dessus, je la pousse depuis tout à l'heure.
Non, t'as pas froid au guibole. Bon, tu vas me réparer ça, t'essayais de me faire un coup de pute. Oh, ne soyez pas si énervé. Je vais vous réparer ça en un rien de temps. Tu te fous de ma gueule, là? Oh non, mon petit Richou. Richard Didou. Donnez mon petit Richard Didou, moi. Free from this life, she can't be. Doesn't lie, she could be you.